Hey, salut YouTube. On se retrouve pour l'épisode 12, normalement, de notre aventure sur Avatar. Et on va peut-être commencer l'épisode par récupérer la plante là-bas. Je crois qu'il y a une plante juste là à récupérer. Ouais. Là, après on fait directement le camp qui est à côté là. Et moi les zones polluées, j'en peux plus là. Ouais, je te vois. Yep. Après il y a le camp qui est là, je pense que c'est un camp assez simple celui-là. Visuellement il est pas imposant. Je sais pas si après on va débloquer des joueurs, des snipers. Ouah, c'est du niveau 8, oh nickel ça. Ok, j'en ai déjà niqué deux. Je voudrais bien qu'il monte. Monte ta petite tête. Tourne-toi. T'inquiète, je lui ai pas mis tête. Bien joué. Fouille en même temps, comme ça, ça m'évite de repasser. Pardon. Oh putain, c'est plus chiant. Okay. Oh putain. Oh, je lui fais exploser tout sur le dos. Ok, nickel. Dégage-toi. Hop là. J'ai fait mourir. J'ai un réflexe. Bah moi j'ai l'impression que le jeu il est plus simple parce que j'ai pas l'impression de prendre aussi chaque avant. Je pense que c'est un peu dans le temps. Ouais. C'est pas piraté ça? Non, je pensais mais il y a juste ça. À... juste appuyer sur un bouton quoi. C'est ça. Ok. C'est tellement compliqué aussi déjà. Bah non, lui quand il répare quelque chose c'est ce qu'il fait. Il tape dessus et après il fait ah mais en fait il faut juste appuyer sur le bouton. Non, ça c'est la mission principale et normalement il y en avait un autre, non? Ah non, après c'est juste de tirer dedans quand il est ouvert. Vas-y, ouvre-toi. Merci quoi là? Ah, il y en a... non, il y en a un autre à ouvrir derrière. Ah oui, c'est pas. Bon, ok, j'y vais. Il s'ouvre pas. Non, mais il s'ouvre pas. Et c'est normal parce qu'il y en a un autre à ouvrir derrière. Il a toujours pas entendu. Ah, l'autre côté! Non, mais reste devant, c'est bon parce qu'il va se faire. Oh, s'il vous plaît. Je vais prendre le robot ou pas? Non, on peut pas le prendre. Ok, c'est celui-là qui était ok. T'as loupé, non? Et l'autre aussi. Non, attends. Ah non, t'en as un tout en haut. Okay. Je sais pas si ça passe si je fais ça. Il y en a un autre? Il y en a un autre? Non? Ouais. Bah non, il y a un autre truc à faire. Oh là 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 là, 50 étapes hein. Ah non, ou alors t'as un temps limite quand tu l'actives? Ah mais en fait t'as un temps limite. T'as les autres à côté. Non, en fait c'est un temps limite quand t'appuies sur le bouton, c'est celui-là que t'as activé tout à l'heure en fait. Ok. Bah c'est bon. Ah non, il y en a un autre. Il est en dessous. C'est sérieux? Ouais, il est en dessous celui-là. C'est bon. Ouais, ils ont changé la façon de faire. Ouais, celui-là, il était pas comme d'habitude. Ah, regarde, les plantes reprennent vie. On a fait pas mal de bases pour l'instant là, dans la game. Mmh. Oh, attends, faut que je mette un point de compétence pour améliorer ma vie. Compétence, alors c'est celui-là. Mmh. Vitalité niveau 4. Ok. S'il y a des trucs à fouiller, j'en suis sûr que je peux rien prendre. Votre santé de base en demande de 60. Ok. Ah, non, après, faut que je monte sur celui-là, je pense. Et ça, c'est quoi? Afflige 25% de dégâts en ayant un statut actif.
Ok, ok. Bon, de toute façon, j'ai tout fouillé, je crois. Hop, je prends des munitions. Ici, quoi, hop. Les détacher, nickel. Ah, je crois que je peux interagir. Ok, je lui parle. Désolé, mais je t'ai entendu parler à Wuhai. Elle semble malheureuse. Elle a dit quelque chose sur les Equidius, non? Oh ça, elle ne le pense pas vraiment. Je croyais que tous les Essois apprenaient à chevaucher. Alors pourquoi pas ta fille? Écoute, quand sa mère, quand elle est morte, c'est un Equidius qui nous l'a ramenée. Et Wuhai ressemble tellement à sa mère. Désolé, je ne savais pas. Je ne suis pas idiot. Je sais qu'elle doit apprendre, mais pas encore. C'est trop dangereux pour elle. C'est trop tôt. Et si... Ma fille, ça suffit. Ce n'est pas à toi de me dire comment je dois élever ma fille. Dans le monde calme. Ok. Par là, Hawaii. Hawaii. Il est où, Hawaii? Bah. Tu vois où il est, toi? Ah, c'est pas lui? Ah, c'est lui, c'est bon, j'ai trouvé. Putain. C'est à quoi ça dedans? Les Equidius. Ah, bah attends, j'ai pas encore. Aussi chevauché. Les Equidius sont des êtres majestueux et libres. J'aimerais pouvoir en monter un. Est-ce que tu en as parlé à ton père? Non. Il envisagerait peut-être de t'apprendre s'il savait ce que ça représente pour toi. Oui, mais il refuse à chaque c'est fois. Bon, il dit que je suis trop imprudente et qu'il craint pour ma sécurité. Hein? Tu pourrais lui montrer que tu peux y aller en douceur, sans prendre de risques inutiles. Il y a un troupeau près d'ici. L'une des juments est docile, mais aussi très méfiante. Si mon père me voyait avec elle, il me ferait confiance. Peut-être. Mais ça ne sert à rien. Si je quitte mon travail pour aller la chercher, il sera furieux contre moi. À quoi ressemble-t-elle? Je peux la ramener pour que tu puisses la montrer à ton père. Quoi? Vraiment? Tu ferais ça? Son troupeau se trouve sur un plateau en altitude. Tu sauras que tu as trouvé l'endroit quand tu verras mes... mes peintures d'Equidius. Elle a une belle robe alzane. Si tu pouvais l'apprivoiser et la ramener ici, ce serait vraiment formidable. Bah tu vois, on a réussi à la retrouver. Alors, par quoi? C'est au sud du... Oh putain. Non mais après, non mais salut. Par contre moi faire des recherches Dis-moi, comme ça... As-tu trouvé l'Equidius dont je t'ai parlé? Ah c'est bon, il est là-bas. Par contre, du vent volant. Je vais quand même, je vais pas y aller à pied. Je vais chercher, pas, tu vois. Parce que, en fait, quand tu dois trouver l'endroit exact où tu dois aller, c'est un peu plus chiant, tu vois. Bon là, en vrai, ça allait. En fait, fallait juste chercher un peu pour la trouver, je pense. Bah, elle. Elle peut. Oh, j'y suis, mais... Sympa cette zone là. Ce plateau, c'est l'endroit parfait pour paître. Mais pas de troupeau. Je vais aller voir. Faut que j'enquête. Mais c'est là-bas. D'habitude, ça marque quoi quand ta santé est cueillie De quoi? L'art de compétence, c'est quoi? Mais c'est ça, c'est accru définitivement. Le troupeau. Ça marche. Ouais. La RDA braconne des Equidius maintenant. C'est pathétique. Je sens encore les gaz d'échappement. Ah, c'est là-bas. Faut aller dans la zone, je crois. Non. Chercher des indices concernant le troupeau. Ah merde. Rinella, je pense que tu dois savoir ça. La RDA braconne aussi des Equidius. Tu penses que les soldats d'Harding sont impliqués? Ça pourrait être des différents... Bah, à côté, il y a une zone, à mon avis, à dépolluer. Je vais me renseigner. Je me demande si ça fait pas partie de la quête. Suivre l'odeur d'échappement. Oh, si, ça veut... Je pense que ça peut être que ça. Hein. Ah non, pas du tout. Non. Non, pas du tout. Je pense que c'est l'odeur qui est là. Je suis sûr.
Ok, bah suivons l'odeur. Hein. Il y a une raffinerie de pétrole. Tiens, la raffinerie. J'espère que c'est ça qu'il faut suivre, parce que si je fais ça pour rien, mon pote. Ah, bah il y a des troupeaux là. Bah voilà. Trouvé. Je sais pas si c'est ça, je peux les chevaucher. Oui. Bah je sais pas, en tout cas, on va prochainement, ils courent vite. Ça semble que je sache où je dois aller. Là, c'est... Ah oui. Ouais, c'est le truc là-bas. Je sais pas, c'est. À mon avis, c'est encore une zone qu'on va devoir neutraliser. On arrive, ils font aussi du braconnage, les types. Non, pas, c'est pas ça. Mais je t'attrape! Non, je peux pas. T'as une Pokéball sur toi? Quoi, cette merde? Le truc, je passe à côté, il me crache dessus, ok. Même la nature me respecte pas dans le jeu, c'est incroyable. Derrière moi? Ouais, je suis derrière, j'arrive. Ah ouais, le mec il court même pas. Quel feignasse. Ouais. Non, c'est bon. Non, je te dis, j'ai pas faim. Comment ça, t'as pas faim? C'est pas normal, ça. Des signes de lutte. Que s'est-il passé? Aldo. Il y a des types sur zone. Attends. Attends, faut que j'enquête sur ça là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, faut que j'enquête en même temps qu'il y a des types à côté de moi. La RDA a voulu enfermer les Equidius. Ils en ont tué un. Il y a autre chose à enquêter là. Ah, au bout d'un moment d'enquêter, ça va rapporter sur le camp, mon pote. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hop. Il est pas là. Est-ce que ça a à voir? Le troupeau a fui. La RDA l'a laissé faire. La RDA a capturé le troupeau. Ouais. Mais il s'est enfui. Je sens encore l'odeur des Equidius. Yeah. Mais je sens rien du tout, moi. Au pire, on neutralise la zone là en même temps. Parce que vas-y, les entendre taper à côté, ça me saoule en fait. Attends, je fais l'enquête en même temps. J'arrive pas à lier le truc. Hein. What shot, mon pote? T'as Ronaldo, il est passé dedans, mais comme un bon. J'ai passé à le. Ouh, je t'ai mis cher. Et ça dégage. Hop. Ça, je le voyais plus derrière le truc qu'ici, lui. Hop, vas-y, j'active le truc en même temps. Ok, je peux pas. Non, vas-y, ouvre toi. Nickel. On a l'eau. T'es muté, hein. Tu reprends ses droits. Bon, du coup, faut qu'on finisse l'enquête en même temps parce que. Là, c'était un truc à lier. Faut ramasser un peu de stuff. Hop. Hop. Ouais, ils sont là, les petits bâtons. S'il est avec moi, je peux sortir. Hein. Tu fais quoi? Bon, tu entres avec moi. Hop. Le son, c'est bon. Putain, mais je suis pas rien fouillé, gros. Hop. Incroyable, c'est bien.
Okay. Oh, j'ai mal au pote. Ouais, c'est que... Ah si, attends, c'est là-bas. C'est difficile à croire, mais putain, regardez la qualité des éléments plus pure maintenant. Tu sais, je réalise que tu ne te souviens sûrement pas que l'air est si pur ici, dans ton propre monde. Et il y a des choses que je ne connaissais même pas, comme ces sortes de nuages scintillants. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est pas grave, mais ça, je sens qu'en passant à côté, là, ça va me défoncer, ça. Je sais pas pourquoi je le sens. J'ai envie de lui mettre une cartouche à ce truc. Vas-y, je mets une cartouche à ce truc, là. Je lui ai même pas fait de dégâts. Ah, pas. J'ai toujours pas fait de dégâts. Ah, il fait l'attaque, je pète. Allez, viens, c'est en bas. Putain, j'arrive pas à le tuer. Putain, mais il est hyper résistant, ce con là. Vas-y, viens là, là. C'est bon. Facile ce jeu. Tu vois, faut pas avoir peur de la taille. Je peux rien récupérer sur lui. Rado, je peux pas récupérer quoi que ce soit sur lui. J'ai vu. Ah, attends, si, c'est bon. Merci pour ces cadeaux. Merci pour le cadeau. Oh, il m'a donné un os en sublime. Une peau en sublime, mais de la viande grasse en sublime. Oh là là, mon pote. Bon, du coup, faut qu'on continue à suivre la trace. Les troupeaux. Bah c'est eux le troupeau, non? Bonjour monsieur. Il est là. Tout va bien. Je vais pas te faire de mal. Voilà. Bon bah voilà, j'ai réussi à en adopter un. Hein. Moi aussi. Trop facile ce jeu. Hop. Et du coup Du coup, c'est bien parce qu'on s'arrête là vu que. Attends, il aura traversé comme ça là. Ah oui, effectivement. Donc, après la logique, il serait passé par là. Oh, il y a une peur là. Ouais, juste là, là. Calmos, calmos. Ah, je me fais attaquer, vous. C'est dans la tête ça. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Wesh! C'est quoi ce truc? Eh, il me défonce. Aïe! Eh, c'est un malade lui! C'est quoi ces trucs de merde là? Wesh, même mon arme à feu. Arrête! Rado, aide! Je me fais défoncer! Oh. C'est bon, j'en ai tué un! Donne ta peau, bâtard! Aïe! Mais. En plus, ça prend un traître, hein! Je vais mourir! Je vais mourir, Rado! Voilà, je vais mourir! Et il se barre quand je tire au fusil à pompe! Je suis mort! Tu peux m'aider ou pas? T'as appelé à l'aide, je suis dans l'eau. Attends. Attends, il m'attaque, il va pas. T'es où? Je suis dans l'eau là, il y en a un qui essaie de me bouffer là. Il essaye encore. Ah, lui il est en train de me manger. Tu l'as défoncé au fusil à pompe? Ouais. Putain. Mais c'est quoi qui m'attaque encore? Bah là je vois rien autour de toi en tout cas. Mais gros t'es dans l'eau, j'arrive pas. Putain bon bah j'abandonne. Mais... Ok j'abandonne là ça. J'arrive pas. Ah j'ai compris. Pas de coulo. Ouais je suis où là? Oh vas-y. Non c'est bon je suis à 300 mètres. Oh ils ont tué la bête. Ah non c'est... Ah mais c'est une bête qui a été dressée par les... Par les autres. Je suis remort. Je suis remort, on a deux. T'es marrant. En fait, j'ai voulu descendre de la falaise. Et en fait, tu sais, j'ai voulu faire la technique d'appuyer deux fois sur croix. Bah, en fait, ça a pas marché.
Non, moi j'arrive. Moi je rigolerai pas, moi, à la fin. Pourquoi ? Ah, est-ce que t'as pas voulu me réanimer ? Non, mais j'ai bien compris. Par contre, y'a plus ta bête. Comment ça, y'a plus ma bête ? Bah, je sais pas, je la vois pas. Mais si, elle est là, là, elle est sur la. En train de. Voilà. Là, là. Elle est là. Ah, c'est la tienne, là, d'accord. Ah, viens vers moi directement ! Oh, je suis trop mignon. Enfin, quelqu'un qui est pas à l'âge dans cet épisode. Hop. Oh, exemplaire et plein jour validé. Trop bien. Et du coup, la mission, elle est où, là? Mais bon, du coup, ça fait que ça avance pas trop dans la mission, là. Pourquoi il veut pas avancer, ce bâtard? L'eau, elle est trop profonde, moi. T'es sérieux? Je dois faire quoi, là? Apaiser et chevaucher... Ah, putain, attends. En fait, faut que j'apaise l'autre, en fait. Mais non, mais fuis pas! Eh, mais je vais te mettre une flèche, frère. Tu vas arrêter de courir direct. Enfin, faut que j'aille peut-être en marchant à côté de lui. Arrête de... Ah, je me fais attaquer, t'es sérieux, encore? Pas grave, ça, c'est dans la tête. Attends, faut que j'arrive... Faut peut-être que j'arrive en frontal, en fait, à lui. Ah, apaisé. Wow, doucement. Calme-toi, ça va aller. Non. Oh bah, je suis mort. Putain. Doucement. Il va se barrer, parce que pour la mission, c'est toujours 3 fois, je connais. Tout doux. Je vais pas te faire de mal. Tout doux. Tu es bien farouche. Ah, mais je vais peut-être te faire dans les fesses. C'est dit. C'est dit, ça va être réglé comme ça. Regarde, tu m'emmènes dans une zone, je vais me faire défoncer. C'est ça que tu veux? Dis-le, hein. Putain. Ah, mais c'est toi qui est à côté de moi? Mais non, apaise-le! Putain, mais il est toi, ton corps propre. Nature aussi! Bah, si, je suis en train de le faire. Bah, non, bah, t'as bien vu qu'il s'est barré. Ah, ouais, t'as couru dessus comme un taré. Putain, Ronaldo. Déjà que le truc, il sait pas faire, si en plus, t'en dois le courir après. Hop, c'est bon. C'est bon. Doudou. Tout va bien. Doudou. Ne t'inquiète pas. Ah, mais ah, lui, je vais l'enculer. Je ne t'en veux pas. Tiens, dégage. Voilà. Ça règle le problème. Il est où l'autre con? Il est parti où l'autre? Cet animal n'a pas de couloir. Je dois concentrer mes sens. Ronaldo, il est parti où l'autre? Il t'a défoncé. Ah, mais tu m'aides même pas en plus. Bah, je sais pas. Faut que je fasse tout en même temps, faut que je fasse la mission, me protéger des cons qui me foncent dessus. Puis l'autre, on l'a perdu. Je pensais qu'on était loin. Mais il est où ce con, c'est vrai? Ouais, c'est pas lui, là, qui va. Ah, attends. Ça m'a mis un marqueur, est-ce que c'est pas lui, là? Ah, mais il a peut-être eu peur quand j'ai dû refuser la pompe. Ah, je peux comprendre, ça peut intimider, hein. Ouais, il est là. Je te jure que s'il y en a encore un. Doucement, doucement. Pas bouger. Gentil. Tout va bien. Gentil le toutou. Je vais pas te faire de mal. C'est vrai qu'il est beau. Hein. Je sais pas si t'as de quelle couleur il est, mais. Eh, hey, tout va bien. Oui, on panique pas. Non, ne pars pas. Oh non, mais j'étais. Abuse. Je ne t'en veux pas. Si, je t'en veux. Tu vas finir comme l'autre, un coup de fusil à pompe dans la nuque. Tu vois, ça va vite te calmer. Voilà. Doucement. Tout doux. Je vais pas te faire de mal. Est-ce que tu crois que c'est programmé en fait que ça se fasse toujours à 3 fois ou c'est juste parce que je suis nul? Je peux pas te dire. Tout non. Va bien se passer. Non, parce que là c'est la 3e fois et tu vois là ça se fait tout seul. Voilà. Du cas à ce petit nez. Voilà. Allez, tout doux. Je te montre comment on a le dos. Te ramener à une amie. Tu es adorable, papa. Bah là, faut qu'on retourne lui redonner son cheval, mais je sais pas où il est. Ah, c'est là-haut. Tu sais comment il est beau? Magnifique. Ah, je sais, t'es jaloux. Hein. Ah. Aïe aïe. Ça aurait été une aventure pour récupérer un petit cheval là. Incroyable.
putain, tu m'étonnes. Avec les bêtes qui te bouffent. Grave. Ouais, mais c'est vrai qu'un coup de fusil à pompe, l'histoire est réglée quoi. Une cartouche dans la tête, ça va vite calmer le blues. Le cheval, c'est vraiment génial. Y'a le gueule. T'as vu dans le ciel là-haut, je sais pas ce que c'est là, c'est un nuage d'oiseau, non? Je sais pas si tu vois. Ouais, j'ai vu. Ah, ça doit être un nuage, je pense, hein. Enfin, un petit nuage d'oiseau, quoi. De toute façon, tu vas passer à côté, mon pote, ils vont te déchiqueter, je rigole. Vas-y, vous, on fonce dedans pour voir. Ils ont l'air inoffensifs. C'est des papillons. Des papillons aussi gros? Ah bah, quoi. Ouais, on dirait des gros papillons. Ouais, oh, maintenant je suis quoi. Tu es de retour. Eh ouais, t'as vu? Tu ce que je t'ai ramené? Hop. Un essaim de petits organismes de ces pour régénérer l'endurance d'un animal qui les traverse. Ah, ça régénère l'endurance. Je ne sais pas trop. Père, je veux apprendre à chevaucher. Et c'est avec cette jument que je veux m'entraîner. Comment? Pourquoi? C'est beaucoup trop dangereux pour... Attends. C'est la jument du troupeau d'à côté, la plus docile. Wohai m'a demandé de la ramener. Ceux qui viennent du ciel ont piégé son troupeau, mais la plupart a pu s'enfuir. Quelle chance. Tu as l'œil pour les Ikidius, comme ta mère. Très bien. Je t'apprendrai. Mais si tu ne suis pas mes instructions à la lettre, je t'interdirai de chevaucher à nouveau. Oui, père. Très bien. Et bon bah voilà, fin de mission. Il n'y a aucune raison de rester au sol. Et voilà. Quête terminée. Ah, j'ai reçu une coiffeur en sublime, gros. Tu vois, toi aussi? Oui. Bien joué. Ah, c'est un mode. On augmente de 8% la résistance aux attaques à distance quand vous êtes sur une monture. Ah, mais je m'en fous en fait. Celui que j'ai, ça me permet juste de subir moins de dégâts de la RDA. Oh. Oh. Bon, je vais rester comme ça, c'est pas grave. Du coup, quête, on continue la gorge des armes. Des lames. Des larmes. Pff, je sais pas lire, frère. Vas-y, je vais récupérer ça, la résistance au feu. Après, je pars sur lui et sur lui. Comme ça, ça me génère un peu de... Ça me prend un peu de la vie. Ok. Ok, trouver Sosul, le porteur du fardeau. C'est soi. Ok. Je sais pas si c'est loin. Non, ça va, c'est à côté. Par contre, c'est dans la brume. Oh, ça va, c'est à 2 km. Après, au pire, si on trouve. Si on trouve un camp à faire, on le fait en même temps. Oui. Je vais me faire attaquer par un truc sur ma gauche. Me fais attaquer par un pierre, gros! A l'aide! A l'aide, on a dos! Oui, j'ai vu. Ouais, bah aide-moi! Tu les tues! Putain, il est plus gros que le mien! Il m'attaque. Il m'a tué. Quoi? Il t'a en bonne chance? Ouais. Wesh, il a full levé le truc! On va mourir, je vais mourir. Il m'a en bonne shot. C'est quoi ce truc, wesh? Pourquoi je sais. Bah, tu sais quoi, on va voler loin de ce truc. Putain, on peut même plus pêcher tranquille. On y va, tempête. Ah, laboratoire. Ouais, mais attends, t'es passé loin du. Oh, laboratoire. Y'a un mammouth à côté là. Hop. C'est moi, j'ai l'impression de l'avoir déjà fait tout à l'heure. Non, faut que tu casses là-haut là. Putain, c'est cool. Qu'est-ce qui se passe? À l'aide.
Mais il se passe un truc, gros. Il y passe du coup dans l'histoire, parce que... Non, mais c'est parce qu'en fait, vu que j'ai tapé ça, le plafond, je sais pas, ça m'a dû faire glitcher, ça m'a mis entre le plafond et un meuble. Putain, il est où le truc? Et du coup, bah en fait, ça faisait comme si je me faisais attaquer par derrière. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Ah, c'est pour ça, c'est pour ça que j'ai un peu paniqué. Donne une mission ou pas? Non. Il est où les fonds? Non, il est là, mais il y a pas d'appel téléphonique. Alors, t'as vu mon endurance, moi? Ouais, ça va, j'ai pas trop faim pour l'instant. Bon, il vient le con ou comment ça se passe? Il est où? Il est là. Hop, on y va. Allez, envole-toi. On a toujours une mission à faire. Ça va, un kilomètre, on est à côté. Si on se fait pas attaquer par un piaf géant. N'empêche, hey, je vais tirer dessus, je vais pas en devenir de vie. Il y a un arbre de vie derrière là. Ah mais faut passer dans. Autre. Hop. Oh, faut passer là. Faut rentrer là où je suis. À moins que t'aies réussi à rentrer dans direct. Hop. Hop. T'essaies de me draguer là ou quoi? Tu vas te calmer hein. Tu vas te calmer Martine hein. Le truc, je sais même pas où il va me chercher là. Il est là, mais il est dehors. Ouais mais le mec il est perdu en fait. C'est pas où il habite donc. Voilà, pose-toi, merci. Merci. Allez, vole. Vole petit oiseau. Hop là. Et du coup, faut plonger dans le truc là. Peut-être descendre de l'écran. Oh putain, je vais mourir. Ça me merde. T'es là, Ronaldo? Oui. Ah, t'es déjà descendu, pardon. Je crois que t'es en haut. Pas pour moi. Sorry. Passons un peu de temps autour du feu. Baisse ta culotte. Quel ancien esprit, ta mère. Calme-toi, mon ami. Je connais cet enfant. Il ne faut pas s'en faire pour se souvenir. Tout comme mes meilleurs fromages, il est en fait doux et tendre sous sa croûte. Tu entends ça, Sasem? Que de mensonges de la part de mon ancien professeur. Minang m'envoie te chercher. Tu es en danger ici. Il y a du danger partout. Demain, tu pourrais tomber dans un ravin ou te faire piétiner par un Zakrou. délicieux. Aussi aigre et acide qu'un chardon. Ceux qui viennent du ciel cherchent cet endroit. Les Sarentu sont de retour. Keen, quels sont donc les autres secrets que tu m'as cachés? Il y a bien une chose. Les accros se sont mis à voler comme des icranes. C'est devenu un peu plus compliqué de les traire. Oh, bois, Sarentu. Ceux qui viennent du ciel n'ont besoin de rien ici. Ce sont les défenses qui les intéressent. Nous voilà si célèbres maintenant, parmi nos amis comme nos ennemis. Je vous en prie, il faut partir. Impossible. Sasem doit accorder le champ. C'est bien ça. Est-ce que ça vaut la peine de mourir? Sosul. On devrait l'écouter. L'écouter? Comment l'écouter? Je n'entends rien d'autre que ça. Ces gémissements?
les flûtes. Leur chant devrait être doux, capable d'apaiser les enfants d'Ewa. Pas comme ça, si sombre et dissonant, désagréable, je dois les accorder. Et si je m'en charge, est-ce que tu partiras? Transmets-lui ton fardeau. Rentre avec moi et célébrons. C'est une mission passée, pas le train. Retourner au sein du clan? Après tout ce temps? Qu'est-ce que tu attends, Sarentu? Ce n'est vraiment pas le moment de brasser du vent. Ah, t'as compris, Nado? Arrête de brasser du vent, là. En action, un peu. Non, mais en fin de compte, vu qu'on était déjà à 50% de l'histoire, le jeu, il est court, accepté... non? Bah, oui. Oui. Bah, surtout si on suit un mec qui marche, en fait, voilà quoi. Après avoir accepté mon fardeau, j'ai erré pendant longtemps. Le danger était partout. Mais j'ai continué. Puis j'ai trouvé Sassem et Il a une sacrée queue, hein, t'as vu? Un foyer, une protection. T'as pas une aussi longue queue, toi, hein? Oh putain, se souviennent, tu sais. Certains viennent ici pour pleurer leur mort. Les deux, mon pote. Nos ancêtres ont construit les flûtes éoliennes pour ces accros, pour soulager leur chagrin. Les flûtes apaisent les accros. Ah oui, mais il est pas accordé ton truc, c'est normal. Je vais te l'accorder, tu vas voir, j'ai été accordiste en 1712. Avec le temps, enfin, depuis 1712, pardon. Se détendent. C'est pour ça qu'elles ont l'air de gémir, comme tu peux dis. Arrêter de parler et me laisser accorder le ou pas? Le bâton d'harmonie, il peut t'aider à les retendre. Vas-y, je vais te retendre quelque chose, moi, tu vas voir, ça va pas être... ça va pas être sur moi. Et je tourne, ce refrain qui te plaît. Très bien, vraiment. Ce n'est pas ta première fois, si? Ah non, j'ai de l'expérience, mon patin. Leur chant est mystérieux. Magnifique. Chaque fois que notre clan passait par cette gorge, les musiciens venaient accorder les flûtes éoliennes. Et quand ils avaient fini, ils faisaient la fête, au son de leur doux chant dans la grotte de la falaise. Ces flûtes ont été accordées par les parents, des parents de nos parents. C'est pour ça que tu refusais de les quitter. Tu peux compter sur moi. Je vais terminer ta mission. Rappelle-toi de la grotte quand tu auras fini. Profite du fruit de ton labeur sereinement. Ok. Accorder les bisflûtes. Oh, il y a tout ça là. Il y en a combien, 3? Oh non, ça va, il y en a 3. Bon, abuse pas mon pied, il y en a que 3. Daylan, je suis à la gorge des larmes. Les braconniers d'Harding, ils arrivent. On écoute leur communication. Oula, à mon avis, ça va fight aussi, hein. Parce que j'ai compris. Ah, ok, ok. Il y a un arbre. Oh, je sais pas où là, gros. Leur sépulture. Ah si, attends, faut pas entrer dans le truc là. C'est un gigantesque mémorial. On y trouve d'énormes instruments de musique éolien. Ici là. Mais ils sont désaccordés. Alors, on dirait que la gorge gémit. J'aimerais bien voir ça. On pourrait y retourner, tous ensemble. Quand tout sera terminé. Il est là, l'arbre. Ah, mais je peux pas passer, gros. Ah non, je t'attends. Ouais, j'arrive. Touché. Ça te fait rire, hein. C'est où, l'arbre? L'arbre en moqueur. Il est en bas. Hop. Non, descends. Mais non, c'est là. Ah non, que je connais les chemins par cœur, moi. Je sais, mais... Vous voulez monter, le mien. Bon, là, le plus marrant, ça va être de ressortir d'ici, en fait. C'est surtout de retrouver le truc. Fouiller. Examiner. Hein? Examiner. Les essois semblaient être froids et solitaires, mais les accros leur ont apporté protection, chaleur et joie. Je sais pas s'il y a une importance de dire ça, mais... En tout cas, ça nous mène pas du tout dehors pour l'instant. Hop. Vas-y, je récolte ce truc bleu là. Oh, il est parfait celui-là. Ah, c'est juste que je l'ai pas à côté de nuit. Mais... Ah bah voilà, regarde, direct, il y en a un accordé là.
Hop. C'est mieux comme ça. Ouais. L'autre, je sais pas si on peut y aller avec le... Les crânes. Ouais. Il bah, y en a un à droite. Et un à gauche. Et il y a un hélico. Dans la tête, ça, non? On peut pas l'appeler, putain. Oh, c'était juste. Ah, lui, c'est trop facile. À mon avis, ouais, c'est parce qu'en fait, faut entrer dans les trucs qu'on a pris là. Là. Pour réussir à. Tu vois. Le chemin est tout fait en fait. Vas-y, j'examine. Hein. Les Akrous sont partis, et les Essois ont eu du mal à les suivre. Leur tente était peut-être trop lourde. Putain, y'a des pièges. Allez, maintenant y'a des pièges. Touché. Non. C'est où là? Il faut aller où là? Tout droit. Bah, en fait, le problème c'est que je sais pas où il est, le celui qu'on doit trouver là. Ah, il est juste derrière nous, ok. Ah bah oui, il est là au-dessus. Ouais, bah il est juste au-dessus. C'est... Ah, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, Ronaldo. Bon, je te laisse recorder le dernier parce que je vois que je suis trop important en fait. Ça faut que je suis en train de regarder. Ah, l'autre on peut passer ou quoi? Oh la vache, le piège de merde. Oh, y'a un truc qui t'a éclaté là. Ouais. La figure. Bah, normalement, si tu regardes, t'as vu depuis tout à l'heure, c'est des chemins qui sont guidés en fait. Non, tu sais pas. Franchement, y'a des pièges. Ouais, je sais, mais je sais pas par où t'es descendu mon pote. Ah, par là. Hein. Ouais, j'ai suivi le chemin. T'es suivi par un truc chelou, gros. Ils sont là. Par un hélico. Non, par un animal. Bah, c'est bon, c'est pour un chat. Ça l'a calmé le plus. Oh putain, il y a les hélicos. Putain. J'arrive, je suis avec toi. Ils t'ont repéré? Non. Nickel. Il y a un arbre pas loin. Je sais pas où là. Bon bah vas-y, hein, on va attaquer. Hein. On va pas. C'est peut-être pour ça que la mission est niveau 10. Non, ça va, en vrai, c'est faisable. C'est faisable, mais je suis en train de cramer comme une merde, gros. Moi aussi. Je vais contourner. Bah, t'as. Ah, faut que je me régène. Vas-y, régène-toi, gros. Régène-toi, s'il te plaît. Bâtard. Putain, j'ai lance-flamme sur la gueule. Ouais, j'ai crevé. Non, c'est dans la tête, on a vu. C'est dans la tête, t'as raison. Mmh. C'est vrai que le fusil à pompe face aux ennemis, c'est quand même redoutable. Il est en train de me cramer la gueule. Pardon, j'ai rigolé. Tu as tué? C'est bon. Je vois. Ouais, c'est bon. Je vais juste récupérer les munitions. Ah, mais il y avait que ça. Attends, il est où l'arbre qu'on doit récupérer là? Dans le coin. Plus haut? Ah, il est tout en haut. Ah, oh, ben. Tonton calme! Tonton calme! Pardon. Ah, là, tu pourras jamais récupérer, je pense, vu les coups de cartouche qu'il s'est pris lui. Montre-moi la plante. Elle est tout en haut. Non, ah, je sais pas. Si elle est tout en haut, je crois. A mon avis, c'est là, vu qu'il y a un chemin. Ah, je peux pas prendre de l'eau, putain. Non, bah elle est là. C'est là. Où ah, t'es où là? Il y a peut-être deux chemins différents, je sais pas. Pas beaucoup. Oh putain, il faut sauter là.
Ah, il est par ici le. Ah, mais il y en a deux en fait là de. Attends, il y a tout qui s'allume dans le coin là. Non! Waouh, mec! Elle est où la deuxième là? En fait, t'en as un qui doit être tout en bas et l'autre qui doit être en haut, mais attends, parce que là j'ai. Je me dis, si je suis le chemin ici, ça peut être la bonne idée. Enfin. Ah, vu qu'il y a des pièges, ça peut être que le bon chemin, hein, de toute façon. Ouais, vu qu'il y a, il y a ça à examiner. Les soins vont en harmonie avec les accros. Ils voyagent léger. Ok. Ouais, t'as peut-être plusieurs chemins possibles, hein. Je pense. Oui, je pense aussi. Il y avait une fleur. Il fallait où là? Bah, je sais pas, je suis le. En fait, c'est un peu guidé quand même. Ah, la vois. Fleur elle est là. Elle est en bas, gros. Merde. Ça, t'es où là? Ah, bah, il faudra y aller après. Mais t'es descendu là? Non, je suis pas descendu, mais elle est tout en bas. Par contre, t'es monté où là? Juste sur ça. Parce que là, bah, toujours tout droit là. Ah oui, là. Mais elle est tout en bas la fleur, on la voit. Bah, non, je la vois pas. Ah, là-bas là? Ah oui, ah, je la vois. Ah ouais, on va peut-être la récupérer après, effectivement. Mais l'autre en haut, je vois pas où elle est. Tiens, tu l'accordes? Tu fais comment ce truc là? Ouais, je l'ai. Ah, tu fais carré? Ah non, tournes. Je peux pas. C'est toi. Bah, je savais bien que toi tu t'étais pas accordiste. Je savais, hein. Magnifique. Autant qu'étrange. Attends, parce que normalement tu devrais en avoir une par ici là en fait. Elle est là-haut. C'est bon. Tu l'as vu? Attends. Elle est tout en haut là-haut. Ok. Du coup, faut monter. Ah là? À mon avis, il y a un saut à faire. Il y a même trois trucs autour de nous. Hein. À l'arbre là? Ah ouais, mais le problème c'est que si on y va, on revient pas là. C'est la t'as encore la mission qui est en haut en fait. Hein. Ouais, c'est pour ça, c'est. C'est assez relou pour le coup. La grotte des musiciens. Je devrais après, entendre leur chant ici. Si je me concentre. Je pensais qu'elle était plus courte la mission maintenant. Bah là pour le coup on est dans une sacrée mission d'accordage. Ah, y a tout qui clignote en cul. Ah faut se mémoriser. Ah c'est de la méditation. Ah putain c'est vrai attends. Parce que j'ai lâché la manette mais faut en fait ça joue avec les joystick pardon. Putain. Ah y'a un autre chemin encore. On peut pas dans les vannes ici. Je peux pas le faire. Dommage que tu peux pas le faire en même temps, ça serait drôle. Je te regarde, surtout tu me fais rire. Et tu vois les gestes que je fais ou pas? Non. Ah d'accord, tu me vois juste fixe quoi. Et bah tu loupes. On a l'impression que je caresse un fantôme. le gros popotin du fantôme là. Pardon. Tu m'étonnes. Là, je contourne sa face droite là. Regarde-moi ça là. ça, c'est les squats ça. Hein. Ça a travaillé dur à la salle. Hein. Ouais, je fais la fesse gauche ou pas? Oh, je fais la fesse gauche avec les deux mains en plus. Putain, ah oh, putain, j'ai encore des conneries, je suis plus dans les zones. Ah. Oula, là je fais un cœur, c'est joli. Par contre, qu'est-ce que c'est long? Non! Putain. Ah, c'est dur de faire des cures.
et je me rends compte devant moi. Je vais te mettre une flèche dans le... Ah putain. Tiens, regarde, mon bonhomme il te fait un wad, qu'est-ce que tu vas faire? T'en as même fait deux, mon pote, il t'a fait un double fuck. Attends, est-ce que je peux le faire ou pas? Normalement, tu peux le faire après, bon. Attends, je me sens relaxé d'un coup. Ah, avoir caressé Casper, ça fait du bien. Ah, j'ai écouté le chant des flûtes. Ah ouais, non, tu peux pas parce que ça faisait partie de la mission. Gare, non, ça doit être Minang. Je vais y aller. Quel animal il traque? Je sais pas trop. Je t'envoie les coordonnées. Oh, me dis pas que c'est le truc qu'on a vu tout à l'heure. Bon, la mission est finie là. Voilà, on a fini la mission. Il y a plein de fleurs, il y a plein de plantes à récupérer. Bon, les petits potes, pardon. J'espère que cet épisode vous aura plu. Nous, on se dit à la prochaine. Ouais. Pour la suite d'autres aventures. Allez, ciao tout le monde.